Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Isaac. J'ai oublié de lancer mon replay et t'as loupé deux salles, c'est pas gravissime. J'ai eu le collier à la croix. On joue avec K1 et on va essayer de faire Delirium. Putain, ça régale. Ah, super. Oh putain, au secours. Pas du tout casse-couille ce genre de salle, hein, évidemment. J'ai pas eu le temps de te dire que tu pouvais faire la curse avant. Ah, c'est vrai, c'est pas grave. J'ai pas pensé. De toute façon, je vais avoir le flat file, c'est sûr. Right? Right? J'aime trop comme ce mème est revenu sur le devant de la scène, quoi. Putain, mais arrête de faire n'importe quoi! Putain, il a une range vraiment dégueulasse, hein. Puis les araignées... Oh, le C, là. J'avais une question, Madame P1. Il a une range pas incroyable, Jean-Marie. Alors c'est mieux quand tu regardes l'écran, Philippe, mais... par ça, tout va bien. Et ça y est, je lâche les blazes. Quand tu prends... un truc du genre Diploplo... Non mais c'est bon, c'est pas un secret, hein. C'est pas gravissime. On en parlait avec Ada hier. Quand je suis vraiment saoulé, je lâche le blaze. Ploplo. Quand tu prends Diploplo... ça devient une habitude. Ouais, c'est pas gravissime, hein. C'est vraiment pas grave, hein. Enfin, je lâche pas mon nom complet, y'a pas de problème, hein. Pardon, je suis PTDR. C'est ça. Quand tu prends Diploplo, ou alors la credit card, par exemple. Putain, très sec, le sais. Et que tu vas dans une devil deal, une room de devil deal. Ploplo. Tu vas dans une salle de Devil Deal et tu utilises Diploplo. Oh, le placenta, très bien. J'ai mangé le placenta. T'as pas fait de pack, t'as toujours droit aux Angel Room. D'accord, c'est ma question, merci. Que je n'ai pas eu le temps de te poser, mais voilà, tout à fait. Donc Diploplo, la credit card... Donc là, potentiellement avec la credit card, je peux aller arnaquer un objet du Devil Deal. Maintenant, faut prier pour que l'objet soit cool, parce que si c'est de la merde, bon. J'ai anticipé. En même temps, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités en soi. Ça allait pas pisser bien loin, en théorie. Ah, barrez-vous. Putain, je les déteste. Je les déteste, ces cons de merde avec leur tête de FDP, là. Et leur fente labio-palatine. Mais je les déteste pas plus que ceux que t'as à Womb, là. Les petits qui sortent en une demi-seconde et qui te crachent à la gueule. Eux, c'est vraiment le Némésis, quoi. Strangely, j'aime pas trop cet item. C'est ok, mais j'aime pas trop. C'est même carrément ok, c'est un bon item, hein. J'ai pas d'affinité. J'ai pas de sympathie pour lui. Le petit... D'accord. Il crache 3 boules. Ouais, voilà, ces merdes là. On soit bien toutes et tous sur la même longueur, non? Même si j'avais les réponses à tes questions existentielles, disait Kien, je n'y répondrais pas. Pas besoin d'ennemis, exactement. Quoi foutre, toi, ça? Ouais, ouais, les petites merdes qui crachent 3 boules là. Pourquoi y'a un cul sur un coffre? Ah, c'est le... c'est le cul sur la commode. C'est le cul sur la commode, évidemment. Putain, j'avais pas la ref. C'est une emote de chez Fichou. Il la fout tellement maintenant en Ada dans le chat que... à chaque fois, il se fait sub-kiff de chez Fichou. T'as déjà payé un sub chez Fichou, Ada, ou jamais? La France s'interroge.
Alors là, vous allez vous dire, ça sert à rien ce qu'il fait, parce qu'il claque une bombe et il récupère une bombe. Mais imaginez. Imaginez, il y a une échelle de corde. Bien sûr, d'April. Bien sûr, d'April, tu veux bien perdre toutes tes chances de Devil League comme une merde? Ce serait vraiment génial. Imagine la trappe. Oh, je suis abattu. Non, pas eux. Pas ces cons, là. Ça, eux, j'arrive plus à les calculer. Ça y est, c'est fini. Et alors que c'est un boss, normalement c'est illégal de perdre de la vie sur ces cons. Et bah en ce moment j'arrive à en perdre. Comme une merde. Bon, de toute façon, il est quand même recommandé par tous les médecins de France d'aller vérifier la salle du Devil Deal, parce qu'on sait jamais s'il y a un petit cœur noir qui traîne. J'ai un net penchant pour l'objet de droite. Ceci dit, on peut peut-être aussi se dire que comme je veux pas faire méga Satan, j'en ai un peu rien à foutre de prendre des Devil Deal. Brimstone in the place. Ah, j'ai les deux. Ah, c'est les deux. Ah, mais c'est les deux. Ah, mais je croyais que c'était qu'un seul, moi. D'accord. Ah, mais c'est un scandale. Ah, c'est un petit scandale. Bah, let's go, hein. Oh, la biblio. Non, bookworm. Le bookworm. Vous êtes prêts? Oh, putain. Oh, c'est cool. Je vais garder la bible, je pense. Je crois que le how to jump, c'est cool aussi. C'est beau de voir ton bonheur quand tu l'as découvert. Je croyais que ça faisait comme le coupon, ça retirait le prix de seulement un mois. J'avais pas cette info, là. Au revoir. Ah, putain, alors ça fait gagner un temps de malade. Ah, on va faire le boss rush là. Croyez quand même pas que je vais me priver de cette joie, hein. Avec l'ocul arrive, c'est génial, hein. Le Nosgoblin, vraiment. Ah, j'aurais bien envie, mais en même temps le paperclip est tellement cool que je vais garder le paperclip, je pense. Je vais pas commencer à piffer les pilules, à mon avis. Ça a pas été très profitable les dernières fois. Oh putain, ah, ça a du drame. Hein. Oh, le coupon. Allez. Est-ce que je prendrais pas ça juste pour... Ah, la VIP, c'est bien ensuite. Mais ça me donnerait un de transformo, mais en même temps... 15, c'est gratos les pilules. Mais je suis trop con, putain, merci. I'm drowsy. Idiot, hein. Non, mais ça, c'est parce que j'ai l'habitude de jouer Judas. Télépides, ah, fait chier. J'avais pas envie, mais bon, au final, ça m'arrange. Non, mais j'avais oublié que j'étais passé sur K1. C'était le... C'est d'accord. Bon, bah, je vais aller péter la machine dedans. Hein. Pivoine perd toute patience. Je vais aller péter la machine dedans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est à 999 en plus. Ah, j'ai eu la stopwatch. Objet exceptionnel. Exceptionnel de conneries. Mais qu'est-ce qu'on rigolole. Pitié du homing. Oh, ce serait énorme. Ce serait hilarant. Un petit peu de hominge. Bon, ensuite, même si j'ai pas du homing, c'est pas grave. Hein. C'est franchement pas gravissime. J'espère que la machine est chaude. Ah, 0,5 en plus quand même, hein. C'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Peut-être en bas à gauche, du coup, le boss, je pense. Je peux pas aller faire la challenge room, du coup, j'ai pas le droit. Si. Ça vaut pas le coup. Ensuite, je pense que le boss rush, il peut se faire facilement, étant donné que de toute façon, j'ai... Je sais comment dire, j'ai la Bible. Maman, ça va très bien se passer. Ensuite, j'aurai peut-être autre chose d'ici là. Hein. Enfin, je les déteste, ils me font chier. Qu'est-ce qu'ils me font chier? Ah, le Necronomicon. C'est bien le Necronomicon, mais je vais garder ça, je pense. Hop. Je vais garder la Bible. C'est vrai que ça peut m'éviter deux boss relous. Oh non.
C'est pas des manières, ça. Faites pas ça à la maison, hein, c'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est vraiment des moves scandaleux ce que je fais là. Hein. Mais bon, le Monier Call Power, faut bien le chauffer un peu, quoi. Ensuite, il fait du dégât, le Brimstone, mais il fait pas tant de dégâts que ça, finalement. Hein. J'avais pas vu qu'il y avait un vortex, j'ai pas compris pourquoi il était en train de se taper une accélération en mode Ayrton Senna avant de passer le meilleur moment de sa vie. J'ai pas compris le délire. Temperance, j'en ai rien à foutre. Très très bon, Valérie. Pas grand chose à se mettre sous la dent là-dedans. Oh, les affreux! Je les déteste avec un œil un peu ouvert là. Ils savent où ils vont, ils sont motivés comme des mecs de LinkedIn, c'est chiant. Si t'as deux cœurs rouges dispo, ça fait des sous. Comment ça? Par rapport à la machine de don, tu veux dire? Ah, oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, mais ça. Ah non, ça. J'ai pas de luck, mais. Je sais pas si j'ai envie de me faire chier avec ça. Bon, écoutez, voilà, c'est tout. Justice. Oh, le Lucky Penny. Le Lucky Penis. Bon, j'ai pas particulièrement d'intention avec l'Active App, ça je m'en fous un peu. Je vais rien prendre. Rien. Mais flemme avec les cœurs. Bon, surtout que maintenant que j'ai pris le cœur blanc, ça vaut plus le coup. Passe un bon moment là. Ouvre ta gueule. Calus. Calus, non. 11 minutes, c'est bien. Je suis qu'à Caves 2, faudrait. Oh non, non, je vais être obligé de chercher l'échelle de corps, te fais chier. Mais non. Non, j'ai pas le courage. C'est dommage, mais j'ai pas le courage. Ça fait chier pour le paperclip, mais le brainworm... Brainworm, quand même... On est quand même sur un petit niveau de scandale, quoi. Putain, mais toujours pas d'Angel Room ou quoi. Putain, le jeu, il est vilain. Hein. On va pouvoir caler des petites brimstones, là, à 90 degrés. Ça va être sympathique comme tout. Tirette super nickel, tout à fait. C'est pas nickel, on égalise. À quoi? Merci. Oh le bordel, toi. Le cauchemar. Oh le fiasco. J'aurais bien aimé un petit grid là. C'est archi con. Non! Not this kind of chiasse, par pitié. Please, I beg you. Au revoir. Bonjour. Non, la watch batterie, je m'en fous un peu. Bon, ensuite, j'ai pas trop à m'inquiéter pour le boss rush, puisque j'ai la Bible, donc quoi qu'il arrive, ça va se régler en deux coups de cuillère à peau, cette histoire. Ça va être vite... ça va être un peu rigide. Hein. Putain, le Brimstone qui pète un plomb, du coup. C'était trop évident pour être là. Pas du tout le gros bordel. Hein. J'ai les lunettes de Zerator, vous avez vu.
Elle sup, très bien. Evil Eye, c'est globalement nul, hein. C'est pas ça qui va faire mon build, clairement, mais bon, pourquoi pas. Oh, Envy, c'est chiant, Envy. Un choup d'aoup. C'est marrant, choup d'aoup, j'aime bien et tout, mais... Au revoir. Ça va, t'as passé un bon moment? Bah, moi aussi. J'aimerais bien plutôt une Angel Room. Parce que j'ai pas tant de vie que ça à claquer. Ensuite, je vais quand même aller voir la salle de Devil Deal parce que... Mais putain, j'ai... Quel con. Oh, la chouin de Babylon, c'est mort. Une pièce, génial. Quoi le bruit de cœur là? Alors qu'il n'y a pas de cœur. War of Babylon c'est bien, mais dans mon cas ça me sert à rien parce que j'ai déjà beaucoup de vie donc. Pas si worse. J'aurais bien voulu plutôt une Angel. Putain, j'ai le placenta, mais c'est vrai, j'ai oublié cette connerie. À part toi. Ouais, ça va, 15 minutes, je suis bien. Que le temps normalement. Le temps de se faire chier là. Ciao. C'est ciao. Deux clés pour ça, ceci dit, je sais pas si ça valait vraiment le coup. Hein. Et allez. Oh non, non, le ringworm, on oublie ça immédiatement. Quoi qu'attendez. Avec l'affreux là. Je préfère garder le 90 degrés là. La belle croquetta. D'accord. D'accord, mais encore. Des petits poussins. On dirait la fille de MV. Des poussins. D'accord. Bah, vaut mieux que tu penses ça. J'ai aucune idée de si ça synergise avec Brimstone, par contre. Peut-être que ça marche pas, en fait, je suis en train de me dire. Parce que c'est un super item. Bon, c'est surtout un super item contre Mega Satan. Ensuite, Delirium, il sature bien. Et Hush aussi, il sature bien la pièce, c'est con. Hein, donc... J'ai pas été voir le shop. Ensuite, j'ai le temps. Je pourrais peut-être essayer de trouver le shop, voir s'il n'y a pas une dinguerie. C'est jamais. Voilà. On n'a pas besoin d'aller si loin, en plus. Oh, Piggy Bank. Piggy Bank, c'est un super investissement pour l'avenir parce qu'avec Money et Call Power, ça synergise de ouf. Ensuite, je vais perdre un peu de dégâts là, mais. Je pense que ça peut valoir le coup à long terme. Comme j'ai une capacité assez indécente à perdre de la vie, Piggy Bank, ça vous donne des pièces quand vous vous faites toucher. Donc, du coup. Je m'emmerde. J'en ai rien à battre. Encore un Devil Deal, c'est chiant là par contre. Qu'est-ce que je prends? Bah négatif, je vais faire Delirium, donc j'en ai rien à foutre. C'est quoi ça? C'est sulfure. Bah ouais, mais sulfure, ça fait un peu chier de prendre sulfure quoi. C'est un peu de la confiture au cochon quoi. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là? Oh là, putain, ça vole pas haut. Hein. Je crois que ça va finir en Mister Mega. Même si ça m'enchante pas de ouf. Après... Ensuite, Loki's Horn, ça peut être marrant avec Brimstone. Allez, vas-y. Bah voilà, merci Madame Pivonne de m'avoir confirmé ce choix. Bon, c'est pas dingue, mais ensuite... Mais bien sûr, d'April, tu peux être une merde, s'il te plaît. Je sais pas si c'est complètement indécent à ce point-là, mais en tout cas... peut-être que j'aurai un bon item aussi avec...
Putain, mais je suis con, je le sais en plus. Peut-être qu'avec le boss rush, j'aurai un bon item. Tiens, je vais prendre le vol, d'ailleurs. Ça devrait m'aider un peu. Peut-être que le boss rush va me filer un truc un peu plus décent pour la suite. Je sais pas. Là, t'es là, toi, l'affreux. T'as tête de con, là. Oh, j'ai une réunion comptable demain matin, je vous jure, j'ai pas envie. Hein. Ah, ça va, c'est à 11h, déjà, c'est pas à 9h ou je sais pas quoi. J'ai le temps de me lever, de comater, de bouffer deux tartines de Nutella et de boire un thé. Comptable, au secours. Bon, ça va, mais... Bon, voilà, quoi. Je sais très bien de quoi on va parler, c'est juste à 6 mois de retard. C'est pour dire ce qu'on va foutre de notre intéressement et... Ce genre de conneries, quoi. Oh, putain, le pied... J'ai même pas vu. Donc, bon. Puis ça va, c'est nos comptables attitrés, c'est pas... C'est théoriquement, c'est pas un rendez-vous chiant. Le bilan est bon. Enfin, le bilan est bon. Le bilan était pas ouf l'année dernière, mais cette année, il va bien. Bon. Cette année, il va bien, et comme j'ai plus qu'un salaire à payer, c'est quand même plutôt cool. Je suis plus confort, on va dire. Mais t'es une merde, April. Oh non, non, pas lui, il me fait chier, lui, à chaque fois. Bon, ça se passe bien, ceci dit, hein. Le brainworm, quand même, c'est autre chose. Hein. Oh non, non, The Frail, là, maintenant, tout de suite, j'ai pas envie. Hein. De toute façon, j'ai jamais envie de The Frail. Qui a envie de The Frail? Je suis même pas sûr que les masochistes aient envie de The Frail. Tellement de la merde. Par contre, cette verse est chiant. Tu veux pas canner, stop, là? Casse-couille. Le bordel du brainworm, par contre, c'est hilarant. Oh, adrénaline. Bon, c'est nul. C'était pas très concluant. Hein. Je vais prendre le Rotten Heart. Bon, ensuite, voilà, 10 minutes. Sachant que j'ai la Bible, donc Mom's Heart. Ça va sauter vite fait. Mais je ne vole plus, hein, par contre, ça, il va falloir s'y faire. Putain, mais ça régale. C'est le Rosary qui me file tout ça, là. Sûrement. Ils ont un petit peu plus de PV quand même. Non, mais je m'en fous des cœurs là. Putain, si j'avais un Dark Bomb là. Oh, la régalade. La régalalade. Bon, par contre, je tiens quand même à dire qu'avec Loki's Horn et le Brainworm, ça fait des patterns un petit peu spéciaux à l'écran des fois. Là, j'ai vu un truc pas loin d'un certain... Non, tu le dis pas. Non, je l'ai pas dit. Mais ça me rappelle des heures sombres de l'histoire, quoi. Ça me rappelle... voilà. Ça me rappelle des cours d'histoire. Sur des moments pas ouf, quoi. Des moments qu'on aimerait bien oublier. Y'a pas raton, heureusement, tout à fait. Ouais, ce serait en parler du sujet... En même temps, lui, c'est sa vie, son œuvre, hein, donc aucun rapport. Oh, putain, mais la réputation qu'on est en train de lui faire, le pauvre. Oh oui, ça, j'aime bien, ça. Sur la pastorie, hein, en plus. Le pauvre, non, mais de ouf. De ouf. Moi, bon, je vais pas me faire chier, je vais faire le boss. Bonjour, Fistula. Au revoir, Fistula. Bonjour, l'Angel Room. Oh, l'Ure 9 sous. Bref, non. Pas très gâté, hein, sur cette... sur les Devil Deals, tout ça.
Ce qu'il a fait le raton, mais rien du tout. Il a absolument rien fait. C'est juste, je sais pas d'où est sortie cette vanne. Mais c'est Wabazaru qui a balancé une connerie à mes 30 ans. Sur la base de que dalle, et voilà. Et c'est resté en mode running gag, complètement aucun rapport. T'as commencé avec Brimstone quand même, j'allais dire. Hormis la première. Mais même l'Angel Room a pas été ouf, hein. Et ensuite, les autres Devil Deal n'étaient pas dingues, quoi. J'espère qu'Edmund Edmund apprécie hein, le ban de ma chaîne Twitch pour symbole offensant. Qui va intervenir incessamment sous peu avant la fin de ce stream. Hein? Ah putain, j'ai pas été en... Oh, putain, je comprenais pas. Je me suis dit, mais attends, mais... Comment ça? Je suis bloqué? Pas que le free... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah non, mais je te dis, hein, vraiment. Hein. Vraiment, avec le brainworm, c'est un peu spé. Hein. Putain. Je vais me faire ban def. Hein. Ça va super mal finir, cette histoire. C'est la svastika, c'est pas moi. C'est un symbole de paix, comme dans... Est-ce que vous avez déjà vu Iron Sky? Ce film complètement fauché avec des nazis au secours. Les nazis qui sont cachés sur la sur la face cachée de la lune. Fais bien que ça arrive. Hop. Ça me dit rien. Ah, c'est un film débile. Humour 75 millième degré, le truc complètement infinançable en plus. C'est un film norvégien, suédois. Il y a au moins 10 pays dans l'histoire. Et en gros, le plot, c'est que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis en fait, ils maîtrisaient l'antigravité, mais ils ont quand même perdu la guerre, et donc ils ont été se réfugier sur la Lune pour préparer leur revanche sur la face cachée de la Lune. Pour préparer leur revanche, l'invasion de la Terre, tout ça. Et en fait, c'est gros troll de plein de trucs, de l'Amérique, de machin. Et il y a un moment où, en fait, bah, les nazis commencent à attaquer la Terre. Et il y a du coup une espèce de congrès de pays qui se sont rassemblés pour traiter le problème. Et il y a le premier ministre indien qui a une bague avec la svastika. Avec une svastika dessus. Et qui, pendant la réunion, commence à se faire un peu cramer avec sa bague. Et puis, il y a une scène où, voilà, il se cache avec sa bague. Et tout le monde commence à le choper en mode « Vous êtes avec eux, vous êtes avec eux !» Et il est en mode « C'est un symbole de paix !» C'est vraiment complètement aucun rapport. Après, c'est mon humour. Hein. C'est du 200 millième degré tout le temps. Mais c'est hilarant. En vrai, c'est hilarant. Et une petite morale un peu philosophique à la fin... C'est vraiment pas un film dénué d'intérêt. Complètement série Z assumée. À la limite du... La Bible, ah oui, c'est vrai, bien vu. À la limite du nanar... Oh non, c'est dégueulasse. Little Delirium. Pff, putain, mais vraiment... Allez, vas-y, je le prends, même si des fois tu peux te faire un peu troll. Non mais au secours, non mais bien sûr. Non mais après, voilà... C'est assez spécial, mais moi j'aime bien. Oh, le lead pencil! Mais attendez, ça marche avec Brimstone, le lead pencil? Oh, le parasitoïde, trop bien. Ça va faire des mouches dans tous les sens. Oui, ah bah génial. Ah, le Book of Revelation, c'est trop bien. C'est parfait comme remplacement, parce que Pyromaniac, j'en ai un peu rien à foutre en définitive. Mais ça, comme remplacement, c'est incroyable. On l'attendait, Pyro. Ah bah ouais, mais un peu trop tard. Too late, bro. Je prendrais bien la Champion's Belt pour le damage up. Ensuite, je sais pas, j'arrive pas à quantifier combien je vais perdre avec 15, mais je crois que c'était 0,5, un truc dans le genre. Ouais, ça va, j'y gagne quand même. J'y gagne quand même au change. Hop. Bon, je le sens pas trop mal, ceci dit. Hein. Oh, bah, Et lui, c'est un familier. Non, mais je garde le Brainworm. Homing Tears, est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre vu la situation, je suis pas sûr, mais... Oh putain, les œufs, c'est scandale. Hein.
Mais attendez, et du coup ça marche les shields de tirs ou pas? Oui, ça a l'air de marcher. Ah mais que pour le pencil, ouais. C'est ce que je me disais. Ah oui, mais c'est vrai que je suis con, j'ai le LED pencil. J'ai oublié cette connerie. Bah visiblement pas que, parce qu'il y a quand même des larmes qui sautent de temps en temps. Sans LED pencil d'ailleurs. Mais du coup ça... Oh putain, avec le... Ocular Rift là, Oculus Rift, je sais plus comment ça... Non, c'est Ocular Rift, ça fout un bordel. Ça fout un delbord par contre. En fait, ce qui me manque, c'est de la luck pour pouvoir balancer des flammes avec le birdie. Mais voilà, bref, si vous n'avez jamais vu Iron Sky, je vous conseille. C'est un peu nul, mais si vous êtes... si vous aimez bien l'humour un peu what the fuck, complètement aucun rapport, et les vannes politiques satiriques à donf dans tous les sens. The Beat sur The Lost, on aime. Certes, certes. C'est plutôt une valeur sûre. Après, c'est complètement outrancier, mais il y a des vannes géniales. Il y a des vannes vraiment géniales avec des refs historiques et tout. C'est beaucoup plus fin que... C'est beaucoup plus fin qu'on pourrait le croire de prime abord. Par contre, l'Ocular Rift, ça me fait un peu chier, là, je vous le cache pas. J'ai un safe spot là, normalement. Je me rends compte qu'en définitive, il y a beaucoup plus de safe spots qu'on ne le pense sur Delirium. Sur Hush, pardon. Ouais, mais ça par contre, ça va pas marcher, ça. Voilà, le Rift qui a fait chier, comme d'habitude. Qui va encore me casser les couilles, hein. Je me suis fait bouffer ma pièce? Ah non. Je veux mon plus 0,4 de dégâts. Et je vais encore pas réussir à passer les tornades. Hein. Ça, vraiment, j'y arrive pas. Bien sûr. J'avais même pas vu que je l'avais fini, ce con. Allez. GG, merci. J'avais rien à aller récupérer, hein, au shop, non. Allez, c'est les calculs maintenant. Hein? C'est quoi ce bordel? J'avais jamais eu cet anime là. Pourquoi ça fait ça? Delirium, il est pas content. Ah bon? Mais... Je me souvenais plus que ça faisait ça quand t'arrivais ici. Je sais que c'est l'anime de Delirium, mais quand même. Bon, ouais, je vais pas commencer, hein, parce que là, c'est des démarches, mais... Ça peut être celle-là. Ça peut complètement être celle-là. Ça peut être celle du dessus aussi, malheureusement. Celles-là, elles vont pas m'aider. Ah putain, j'ai beaucoup de relations, faut pas que je l'oublie. Hein. Ça peut être celle-là aussi. Putain, ça va être chiant. Faut que j'arrive à voir si ça va faire un 13x13. Ça peut pas être celle-là, par contre. Ça, c'est sûr. Mais évidemment, il fallait que ce soit l'affreux, quoi. Oh non, t'es chiant. Je l'aime pas, lui. Je l'aime pas, il me fait chier. Non, non, c'est... Bah remarquez le Satanic Bible, j'en ai... Ah mais non, parce qu'attendez, j'ai des boss quand même dans les tâches, donc je sais pas si ça peut foutre la merde ou pas. Je vais pas prendre de risque, je pense. Je sais pas si c'est comptabilisé comme des boss, des trucs de Delirium. Si je me tape des Devil Deal à chaque boss que je fais dans les tâches, je vais pas bien le vivre, je pense. Ouais, et bah il faudrait que j'arrive à trouver une carte du genre The Fool aux The Emperor pour faire une TP éclatax à un moment ou un autre. Et réussir à me sortir de cette connerie. Donc j'arrive à voir si ça fait du 13x13 ou pas. Didi, didi. Merci.
Bon, on a pas mal de dégâts, mais au final, pas tant que ça. On va faire attention, quoi. La moula gaga oulala, évidemment. Ça peut pas être à gauche. C'est pas possible. Ça peut être en haut, par contre. Mamzard. Ah, bah, j'ai plus la Bible. Hein. Je sais même pas si ça marche. Au revoir. Non, number 2, on oublie ça. Tout de suite. Je ne veux même pas entendre parler de cette merde. Sans mauvais jeu de mots. Encore, ça aurait été number 1, j'aurais rien dit. Parce que la range, de toute façon, rien à foutre. Quoique, est-ce que ça affecte vraiment la range? Bah non, parce que c'est pas Little Brimstone, c'est Brimstone tout court. J'en arrive, vous avez une range incroyable. Putain, petit con. I'm Drowsy, ça peut être un très très bon plan, ça. Bah non, je suis con, ça peut pas. Idiot. I'm Drowsy, ça peut être un délire. Hein. Ok. Ça dépend parfois sur Delirium, ça peut faire des patterns peu esquivables. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il y a cette histoire-là aussi. Bon, on verra. Je suis pas fixé encore. C'est vrai que des fois, ça il balance les boules quand même à plus ou moins la même vitesse. C'est comme la stopwatch. Ça peut foutre la merdasse. J'ai déjà entendu, j'ai eu vent de cette théorie. On était bien en haut du coup, hein. Ouais. Bien sûr. Ça va foutre. Allez. Au niveau vie, on est confort, ça c'est cool. Enfin, juste pas la perdre, voilà. Ça ce serait bien. Pas trop pourquoi je m'emmerde à récupérer tous les consommables parce que j'en m'en fous un peu, mais. Et là, une Erki. Vous imaginez le scandale? Là, ce serait vraiment God tier. Ok. Je sens que vraiment je vais rentrer dans la première salle de boss et je vais me taper Delirium. Peut-être celle-là, à moins que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est au 13 par 13, mais elle peut encore décaler vers la droite. Et en hauteur, par contre... Ah oui, mais du coup, ça peut pas être celle en haut à droite. En haut à droite, c'est pas possible parce que ça veut dire qu'elle peut pas décaler parce que ça ferait 14 sur 14 et elle touchera forcément la salle de gauche. Donc celle-là, c'est bon. Celle en haut aussi, parce qu'elle touchera forcément la salle de gauche ou la salle de droite. Par contre, les deux à gauche sur le milieu, là, j'ai aucune garantie. Ok, bon, je vais déjà aller faire ce que je peux faire. Donc ça, je suis pas sûr. À droite, c'est non, tout à fait. Je suis content parce que j'ai réussi à retenir la règle de Delirium. Alors, je sais pas pourquoi j'ai... C'est le Gurdy qui a gueulé comme ça, là. Enfin, le Gurglings. Connard. Putain, t'es vraiment un FDP de merde. Non plus de garantie que c'est pas celle-ci, quoique attendez, peut-être que ça fait 13 en hauteur là, je sais pas. M'étonnerait fort, mais pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, donc c'est, ça peut pas être celle-là parce qu'elle dépasserait du 13. Soit elle touche la salle du haut, soit elle dépasse du 13, donc c'est bon. Au revoir. J'en ai rien à foutre, mais d'accord.
Ça me sert que dalle, mais ok, pourquoi pas. Sauf si j'ai une R-key. Le mec qui force pas du tout. Si j'ai une R-key, la Skeleton Key, elle est worse. Hein. Rentabilisé. Peut y avoir des échelles de cordes à Delirium? Je suppose que oui. Absolument aucune raison qu'il n'y en ait pas. Mais ensuite, Edmund étant un con. Fait jamais quoi. Voilà, elle va me servir à quelque chose, tiens. The Aerofen, c'est une bonne assurance vie, ça, contre l'autre con, là. C'est une très bonne assurance vie contre l'autre con. Ok. On va à droite, on a dit que c'était pas possible. Ok. Ensuite, il va en rester un paquet quand même, où j'ai aucune certitude, quoi. Si, en haut, tout en haut, c'est bon aussi, je peux y aller sans crainte. Oh non, pas l'autre con, là. Pourquoi c'est toujours toi? Enfin, c'est toi ou ta variante moche, là. Bah ouais, pourquoi pas. Ensuite, c'est un peu tard, mais merci. C'est un peu tard, mais merci. Tout en haut, c'est bon. Et ensuite, ça va être le jeu du pif, quoi. Il n'y avait pas une The Fool dans l'étage. Ah, bah, je vais le regretter. Hein. Je vous dis, première où je rentre, c'est Delirium. Ensuite, le build est bon. J'ai The Aerofend. Donc, en fait, virtuellement, j'ai 15 cœurs. Si en plus, j'arrive à charger un petit peu. Ouais, en haut, c'est bon, c'est safe. Putain, c'est dangereux ça. J'ai joué, hein. Jamais assez. Jamais assez dans la connerie, hein. Et, mais du coup, la carbatterie. Oh, ça veut dire que la carbatterie, si tu la charges à fond. Enfin, le Book of Revelation. Ouais, voilà, 4 cœurs, ce que j'allais dire. Et là, maintenant, je suis en roue libre. C'est-à-dire que j'en ai 3 à faire. Ça peut potentiellement être les 3. À moins que. Bah non, parce qu'elle peut se décaler sur la droite. J'ai aucune garantie. Bon, je vais aller faire celle-là. Et puis, je vais juste prier pour que ce soit pas celle-là. Ok. C'est bien. Que la carte c'est The Fool. Ah, The Moon, ok. Alors, intéressant. Intéressant. Ça veut dire que j'en fais une si c'est pas Delirium. Si c'est Delirium, je me casse. Si c'est pas Delirium, je fais l'autre. J'irai juste. Ok. Oh bah, grid, parfait. Comme ça me fait du pognon, génial. Donc, il est en dessous là, l'affreux. J'irai reprendre The Aerofen, c'est plus ou moins sur le chemin. Je vais aller faire celle là-bas, avant. Du coup, c'est dommage parce qu'elle sera pas chargée à fond. Sauf s'il y a une petite batterie dans l'étage. Il n'y avait pas de batterie. Hein. Il y a un sac là au milieu. Peut-être que dans le sac, il y aura une batterie, je sais pas. Au final, tout se goupille pas trop mal. Hein. C'est presque trop. Oh non, encore lui, là. Putain, mais je l'ai eu deux fois, cet étage. Hein. Pas tout chiant. Ah, voilà les petits affreux, là, que je déteste. On les a vus. Bah, Fanny Pack, je m'en bats un peu les couilles. Hein. Fanny Pack, je m'en bats les couilles. C'est un peu tard. Genre, il faut faire un petit Cato Nine Tail ou... Ah non, il est pas dans le pool du boss. C'est vrai que ça peut aussi donner des cœurs. C'est vrai, c'est vrai. Bon, foutu pour foutu. Pas avec les bombes que je vais jouer l'autre con, donc c'est pas grave. Où était ma carte, par contre? Ah, elle est dans le... Ok. Au secours. Pas une petite batterie là-dedans? Merde. Merci. Non. Dommage. J'aurais même pas la pièce. Oh si, hein, vraiment. Je m'en fous de cramer une bombe pour ça, je veux la pièce. Je veux mon 003 de dégâts. Elle était au-dessus, là. Au-dessus, à droite. C'est là-dedans que j'avais The Moon avec la Magic Ball. Hop. Bon, ça va. En définitive, j'ai 15 cœurs. Eh, j'arrive. J'arrive, du con.
Putain, mais j'avais oublié qu'il faisait ça comme ça, ce bouffon là. Ah, il prend tarot un peu quand même. Par contre, les deux de Lux, c'est assez un peu dommage. Je suis investi. Ah, mais j'en ai jamais douté, Mme P1. J'en ai jamais douté, Mme One. Oh, de l'argent. Oh, le bâtard! Ça va le pétage de plomb sinon, ou comment ça se passe? Oh putain, et ça sauve, hein. Le brainworm, il régale, hein. Par contre, ça va durer 2000 ans parce que j'arrive pas à lui mettre de lead pencil. Ce qui est fort. Oh oui, oui, oui! Il m'a slow down ce bâtard? Oui. Arrête, t'es chiant! Ouais, il se prend le menu maximal quand même. Le menu maximal! Il se prend la max. Salut Brian, comment ça va? Bryn Lamet? Est-ce que quelqu'un, Aslev ou Pivoine peut me faire un petit saut à Brian Lamet, s'il vous plaît? En grosse tête, il a pas de bannière? De barrière, comment ça? D'armure, c'est ça que tu veux dire? Merci Aslev. Ah, j'ai réussi ultra hard, hein, d'ailleurs, Ryan. Je sais pas si je te l'avais dit, mais... C'est bon, c'est passé. Avec un build complètement scandaleux, hein. Ouais, j'en ai plus rien à foutre, de toute façon. Allez, tiens. Et même que je mets mon Book of Revelation parce que je m'en branle. Vas-y, TP-toi sur ma gueule, on en parle. Allez, ciao. GG, merci. Bah voilà. Ah bah voilà. Je vais claquer mon Book of Revelation. Moi je suis à 250 succès. Bah je dois être à 300. J'étais à 302 en startant le stream. Donc je dois être un peu plus maintenant. Bah voilà, impeccable. 9 est rondement mené. Et bah... On va essayer de refaire la même avec Judas. Qu'est-ce que vous en pensez? Judas. Bon, la fin de Delirium par contre elle m'angoisse. Petit gamin qui s'étouffe là dans son vomi, ça va 5 minutes. Deux persos complétés. Oh GG. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un petit Azazu là. Petit Azazu là pour la blague. 306, pas mal. Merci Mme Pivoine. Bon ça va, hein. En vrai j'ai eu de la chatte sur le build, c'était cool. J'avoue que la credit card au tout début de la run a mis très très bien. Merci pour les GG. Mais je sais pas ce que je vais faire. Excellente voiture. Bonjour monsieur Douve. Quid ou quoi? Cousine de la ZX. La Zazou. je sais pas. La 306. Ah oui, tout à fait. Sinon j'essaye de compléter Judas. Il me manque quoi sur Judas? Ah, il me manque Mother. Oh putain, envie de crever. Mother et Delirium. C'est marrant parce que j'ai pas fait tant de trucs que ça avec Azazu, finalement. Pourquoi le Polaroid? Ah, c'est parce que je l'ai pas fait en hard, le Polaroid qui est... Enfin, c'est le négatif. Ah. Grid en hard, oui. Le bon vieux Gridior. Ça, il faut que je débloque le Keeper, d'ailleurs. Oh, j'ai essayé de faire des runs avec Forgotten, c'est vraiment dégueulasse comme perso, hein. C'est un petit Azazu là pour la blague, ce serait marrant. Putain, j'ai déjà fait Mega Satan avec Azazu et Delirium. Ah ouais. Petite run Mother. Ou petite run The Beast. C'est vrai qu'on pourrait changer un peu, faire une run The Beast ou une run Mother. Non mais Mother, envie de crever, je déteste tellement ce boss. Enfin, je déteste tellement ce boss. Je déteste le... Si, c'est dégueulasse. Autant The Beast, ça me terrifie pas tant que ça. Je me suis déjà foiré dessus, hein, mais... Mais Mother, wow. Mother, ça me fait quimper, par contre. Bon, je disparais, hein, toi, bien, c'est normal. Trigger instant. Acheter le jeu 300... Ah non, 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 Yamete. Bon, j'ai fait une petite pause, déjà. Mother, j'ai fait avec Bethany. Ah, je sais plus avec qui j'ai fait, moi.
Non, j'ai... Putain, j'ai pas fait grand-chose avec Bethanyar. J'adore ce perso, pourtant. Mother, j'ai fait avec Cain, et je crois que c'est tout. C'était déjà assez chiant comme ça. J'ai pas eu trop envie de le refaire. Ouais, avec Cain, tout à fait. Cain ne déçoit jamais. Sinon, je refais Delirium avec Judas, mais on s'emmerde un peu, quoi. C'est un peu toujours la même chose. Gomme plus Bethany, super fan. La gomme, l'Eraser, là. Bethany Redski aussi. Ah, mais non, mais Bethany, c'est trop bien, de toute façon. Bethany, c'est incroyable. Et puis, il y a les deux cons, là. J'ai qui et Issou. Oh, je les déteste. J'ai essayé de faire des runs avec, genre, je suis pas câblé pour ces persos, quoi. Ah, le Book of Virtue, c'est génial. Hein. J'ai fait une run, je sais plus quand. Où je l'ai gratté sur un autre perso et franchement c'est génial. Faut que tu prennes la phase. Ouais mais j'ai pas envie quoi. J'ai juste pas envie quoi. C'est... J'ai juste pas envie quoi. C'est, ça m'emmerde à chaque fois que je lance une run. Mais il va falloir se l'infliger. Non mais ça va Mme Pivoine. J'ai pas besoin qu'on me crache à la gueule. Je sais que je vais me le farcir. Le boss rush, c'est rock bottom. Les unlocks sont tellement pétés. Bah oui, bah ça a l'air. Oui, oui, je vais me l'infliger, c'est bon. Ouais, vous en faites pas, mais pas en live. Parce que ça me fait déjà assez péter un plan comme ça hors live. Alors, pas pour faire ça en live. Ah, Polion, j'ai pas beaucoup joué non plus. En fait, je me rends compte que je fais beaucoup de parties, mais il y a beaucoup de persos que j'ai pas trop pensé. Sanson. En fait, là, j'ai mine de rien, ces derniers temps, j'ai bien rempli les... Genre, avec Maggie, j'avais rien fait. Et là, j'ai quand même réussi à aller faire un hush, j'ai fait Mega Satan. Avec Maggie, j'avais fait Mom's Heart, et je crois que c'est tout, quoi. Demain, je suis solo, à deux doigts de continuer Jacob et Issou de retour en stream inopinément. Au secours. Quel enfer. Je pourrais malheureusement pas être trop là, mais... si, peut-être un peu en début d'après-midi. Mais après, je pars à Bezac. Mais un petit Jacob et Issou de ses morts, là. Quelle angoisse. Non, mais je vais... Non mais je suis Damozer, j'ai pas envie. C'est... Et Judas Delirium, bon... Un petit Azazu, là. Mais en même temps, pour Azazu The Beast... Ah vas-y, on va faire ça, c'est bien. Azazu The Beast, j'aime bien ça. Vas-y. Des bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite.